Bonjour, Pascale Demain, hypnothérapeute, diplômée de l'Institut français d'hypnose ericksonienne en hypnose humaniste, hypnose ericksonienne et l'hypnose classique. Donc, juste pour démystifier les questions qu'on se pose autour de l'hypnose, souvent on se demande si l'hypnose c'est quelque chose qui est dangereux, si c'est un état où on perd le contrôle, ou c'est quoi la transe. Donc, la transe qui est utilisée est comparable à quand on est sur le point de s'endormir. On est comme somnolent, hein? Notre corps est ici, puis notre esprit vague à d'autres occupations. On est en état modifié de conscience. Donc, on utilise cet état-là pour tous les troubles psychosomatiques, troubles de comportement, d'apprentissage, de consommation. En fait, pour rehausser aussi l'estime de soi, où on peut tout simplement penser, hein, à tout objectif, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, eh bien, l'hypnose nous aide vraiment à progresser rapidement. Et en plus, en consultation, on peut montrer aux gens à faire de l'auto-hypnose. Donc, ça leur donne vraiment la possibilité de continuer à s'améliorer, de pouvoir reprendre le contrôle sur leur vie et de vraiment retrouver l'équilibre qu'ils désirent. Donc, si vous avez d'autres questions ou pour toute consultation, il me fera plaisir de vous rencontrer. Merci et à bientôt.